Hey, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest Monster Joker 2 professionnel en No Synthesis Challenge. J'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, nous nous sommes laissés dans l'Albatros après avoir battu le Sagittor, hein, donc Sagittar en anglais, la sentinelle d'Archéopolis. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons logiquement voir Mister Top pour pouvoir débloquer la suite. Mais j'ai fait quelques petits trucs en off. Hein. Vous avez pu le voir au layout, hein. Il a un petit peu changé puisque j'ai trouvé d'autres monstres. En effet, au-delà du fait que j'ai un petit peu farmé, hein, vous avez pu le voir, hein, niveau 37, niveau 39, pour SSG Blue et Riptide, puisque j'ai tapé les glands de Mercure tout simplement, j'ai trouvé ce monstre-là par temps de pluie dans Archéopolis. Il se trouve au niveau où il y a les glands de Mercure, mais la zone accessible que quand il y a le temps de pluie. Donc c'est un monstre de rang S, donc voilà, j'ai enfin un monstre de rang S, c'était galère à l'avoir, mais j'ai réussi à l'avoir grâce à ce monstre-là, la petite armure, donc le petit Restless Armor là. Qui attention. Et donc du coup, ça m'a pas mal aidé puisque déjà il a une bonne valeur d'attaque et en plus bah, il a attention. Donc j'en ai dressé un deuxième. Bon là je l'ai mis en le deuxième, je l'ai mis en réserve, mais j'en avais deux et j'ai tous les deux mis en tension. Et puis ça a été plus facile de l'avoir, on va dire. Je sais plus combien de pourcentage, peut-être 10% ou 16%, je crois. C'est pas grand-chose, mais ça suffit pour l'avoir. Et donc je suis content. Et c'est à peu près le seul changement. Alors il y a d'autres petits monstres aussi que j'ai trouvés dans Archéopolis. Je vais vous montrer vite fait. Mais voilà, concrètement, on a ce monstre-là. Je vais revenir dessus après. Hein, mais voilà, j'ai trouvé. J'avais trouvé lequel? C'était ce monstre-là. Je l'avais trouvé avec vous. Lui, je l'ai dressé. J'ai trouvé ce monstre-là aussi, on me l'avait dit. Rang A, mais au final, j'ai un rang S, donc c'est mieux. Et même eux qui sont rancés sont meilleurs. Et bon, lui, je l'avais dressé par erreur, mais bon, c'est toujours bien de l'avoir. Et j'avais trouvé aussi lui, Kong, qui se trouve dans la jungle, donc labyrinthe de nuit, si je dis pas de conneries, par temps de pluie, au niveau d'une zone bonus. Sur un tronc d'arme, il apparaît de temps en temps. Je vais vous montrer tout ça après. Et donc voilà, tout simplement. Pour l'instant, ils sont en réserve, mais. Je suis content d'avoir un rang S et donc ce monstre-là, il est pas mal défensif. Hein. Il est pas mal défensif, il a beaucoup d'HP, hein. 307. Donc c'est plutôt cool. Il a une défense 1 et il a une autre compétence qui a des petits boosts. Hein. Voilà, K-buff, donc méga protection, si je dis pas de conneries. Et pas mal de trucs de défense. J'aimerais bien lui mettre une compétence d'attaque, mais j'en ai pas. J'ai des compétences hein, ici, mais c'est pas des attaques. Elles sont où? Là, ici, ouais, Agility Proof, Wisp Proof, MP Recovery Proof. C'est pas des compétences d'attaque. J'ai une compétence ici, Warrior Proof, qui donne la compétence Guerrier, Warrior. Mais je ne sais pas comment l'activer. Je peux pas l'activer à partir du sac. Donc, si vous savez hein, où est-ce que je peux activer ce truc-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et nous, on va partir hein, tout de suite. En direction, pas tout de suite Mister Top, je vais vous montrer les petites zones bonus. Et en plus, j'ai une zone aussi à faire dans Archéopolis. Quoique, après, je peux le faire pendant le plus aussi. Ouais, bah on va retourner après à Archéopolis. Non, quoique, non, je vais retourner d'abord à. J'ai d'abord retourné à Archéopolis. Et on reviendra voir Mister Top. La zone de la jungle, est-ce que je vous la montre? Je peux vous la montrer, mais il faut qu'il y ait de la pluie. Alors, on va chercher la pluie, hein, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de pluie. Cherchons la pluie. Voilà, il y a la pluie. Il y a la pluie. Et donc, je vais vous montrer. Alors, je vais accélérer, hein, parce que sinon, c'est très très long. Bon, c'est le jour, mais c'est pas grave. Hein. Jour, nuit, on s'en fout un peu. C'est juste pour vous montrer la petite zone bonus. Je ne suis pas allé l'explorer. Donc, je le fais avec vous vite fait. Tac. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, ça se passe bien. On arrive à bien gérer quand même. On a battu le Sagittor. Mais je crois que par la suite, ça va devenir un peu plus compliqué. Donc, il va falloir faire gaffe quand même. Hein. Parce que pour l'instant, c'est vrai que j'ai zéro synthèse. Alors, faut passer toute cette zone-là. Alors, le Kong, je l'ai trouvé. Enfin, je l'appelais Kong, hein, mais il s'appelle pas Kong. Mais le singe, je l'ai trouvé ici. Il pop ici sur l'arbre la nuit. Et. Il y a toute une zone derrière, je crois pas qu'elle y était dans des QMJ2 normales. Donc on va vérifier ça vite fait. Mais juste. Je peux jamais partir des combats, c'est chiant.
Merci. Quand même. Je vais récupérer la petite... Ah, voilà. Ah, j'avais des achats aussi à faire. Bon, je vais le faire après. Donc, ici, il y a une zone. Ouais, il y a des monstres. Ok, il y a des machins. Ok, d'accord. 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 C'est par où le... C'est par là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Je ne sais pas. Une bonne question. Je ne sais pas. Ah bah, il y a ces monstres-là. Ces monstres-là, je crois qu'ils sont rang E, donc ils sont pas intéressants pour nous. Alors lui, à chaque fois, il monte sa défense, c'est bien. Enfin, à chaque fois, souvent. Il y a le petit machin que je vais récupérer. On va passer le... Il y a un truc là, je crois. Ouais, il y a ça, ok. Il y a un arbre. On va monter sur l'arbre. Ah, il y a un petit gluant de... Dans métal ou mini metal slime. Mini metal slime. Bon, je veux pas le taper hein, parce que ça va rien m'apporter. On va récupérer ça. Ah, qu'est-ce que une arme peut-être. Ah oui, d'accord. Ça doit être ça. OK, bon. C'est moins puissant que ce que j'ai. On va retourner vite fait au vaisseau. Parce que j'ai des achats à faire. Même si je vais pas les utiliser dans cet épisode, je pense. J'ai des trucs à mettre aussi, donc on va les mettre. Et je vais regarder vite fait ce qu'il y a en item spécial herbe. Ah bah ça, déjà, c'est déjà bien. Je vais prendre des strong herbes. Voilà, et je vais prendre des spécial herbes aussi. Voilà. Ah, ça c'est pratique, mais je vais pas en prendre. Attaque boost. En prendre un. Ok, il y a pas mal de choses. Ah, il y a des nouvelles armes. Ah oui. Oui. Mais j'ai tout cramé. J'ai tout cramé. Est-ce que je peux... J'ai de la thune ou pas? Ah, on peut retirer, hein. Voilà, hop. Et on va acheter vite fait la petite arme, histoire d'avoir un meilleur truc sur Hulk. Je l'ai appelé Hulk, hein. Je trouve que c'est sympa, ça lui va bien. Voilà, et je vais... 736. Bon allez, je vais quand même déposer pour faire le mec bien, mais en vrai, on s'en fout, hein, 736. On va aller vite fait à Archéopolis. Parce que j'ai fait des trucs. Enfin, j'ai fait des trucs. Disons que j'ai... Ouais, j'ai amorcé des choses, on va dire. J'ai amorché... amorché. J'ai amorché, hein. Ah ouais, mais... Oui, si je peux y aller. Là, ici. Et non, elle est fermée. Ah, peut-être que par... C'est que par temps de pluie. Ah, non. On va y aller quand il pleut, alors, dans ce cas. Ah, allez la pluie. La pluie. La pluie. Ah voilà, la pluie. Nice, la pluie. Logiquement, si je dis pas de conneries... C'est bon, ça l'a ouvert. J'ai appuyé sur le bouton bleu, alors le bouton bleu qui se trouve... Soit ici, il y en a un ici. En fait, dans la version pro, normalement, il faut appuyer sur les deux boutons comme la dernière fois, les boutons rouges. On devait appuyer sur un bouton rouge là, mais je l'ai oublié, je l'ai zappé. Mais j'avais appuyé sur le bouton rouge ici, et ça m'a débloqué le Sagittor. Normalement, il faut appuyer sur les deux. C'est comme là, la porte centrale, hein. Normalement, il faut appuyer sur les deux boutons. Mais on avait vu qu'un seul, ça suffisait. Bah, c'est pareil pour le bouton bleu. Alors, je l'ai fait, hein. J'ai débloqué ici le chemin. J'appuie sur un seul bouton bleu, et ça suffit pour ouvrir la porte bleue, donc tant mieux. Et donc, du coup, on va pouvoir débloquer l'invisibilité. Parce que c'est pratique, l'invisibilité. C'est pratique, donc on va vite fait faire ça. Bon, comme d'habitude, je vois jamais rien là-dedans. Avec le contraste de mon écran. Il y a quoi ici? Il y a que dalle. Est-ce qu'il y a des monstres? Ça serait bien de voir ça. Mais l'invisibilité, ça peut bien m'aider quand même. Parce que souvent, on se tapait les monstres, c'est un peu chiant. Bon, en fait, il n'y a rien ici. Mais attendez, je regarde juste.
Il n'y a pas de coffre. Non, 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 non. Je crois que j'avais débloqué des coffres aussi que j'avais pas vu la dernière fois. Bon. Il n'y avait rien de spécial non plus des tickets de métal. Si, si, parce que oui, il y avait des coffres de l'autre côté. Alors, je vais vous montrer vite sur la map. Ici. Ici, il y avait des coffres. Quand on débloque le truc par, par temps de pluie, il y avait des coffres. Je récupérais des tickets de métal et compagnie. Ouais, donc je disais, j'avais trouvé des tickets de métal. Donc ça, c'est pratique. Alors ici, il y a des monstres. Hein. On peut voir qu'il y a des monstres. Il y a pas mal de monstres. Il y a beaucoup de monstres. On va d'abord récupérer le machin ici. Ouais, mais non. Regardez. Non. Hop. Ah, mais vas-y, devant. On récupère l'invisibilité qui va être pratique. Bah voilà. Qu'on va activer tout de suite, hein, parce que... Ah. Voilà, il me voit pas. Tant mieux. Ouais, alors toi... c'est bon. On a réussi à passer. Et là, il y a des coffres. On va récupérer. Logiquement, je crois qu'il y a un coffre qui est un monstre. Ok, Partphone, ça c'est bien. C'est choper le monstre. On va pas faire de combat. La flemme. Magic Waterfund, ok. Et là. Mets-toi dedans. Ok, pareil. Allez. On va du coup se téléporter bah, directement dans les caves. Écoutez. Directement dans les caves pour pouvoir faire. Normalement, un combat, je crois. Je crois que c'est le rang S. Si je dis pas de conneries, hein. Ou alors c'est directement Mister Top, je ne sais plus. Alors, Mister Top. On va parler à... Ouais, ils me disent rien. J'aimerais bien savoir quand même pour le... pour la compétence Warrior. Là. Mais bon. Bah, vous me direz hein, dans les commentaires. Allez. Faut lui parler. Yes. Je sais pas ce que... Je sais pas ce qu'il dit. Mais on va dire que qu'il dit des choses intéressantes. Hein. Alors, si je regarde souvent à gauche, c'est parce que j'ai mon chat qui arrête pas de pleurer depuis tout à l'heure. C'est chiant. À chaque fois, elle veut rentrer, elle veut sortir. C'est chiant. Et reste ça, je trouve. Après, moi, je dois faire plein de coupures. C'est horrible. Ok, donc grand papy fantôme là, qui apparaît. Oui, d'accord. Ok, il me dit qu'il a mal au dos. Mais que ça va aller. Donc ça c'est... Non, ça c'est les... Je crois que c'est les esprits, ouais, des anciens... de l'ancienne civilisation qui habitait là. Donc on passe rapidement. Mais il reconnaît notre valeur, voilà. On va libérer le mal et compagnie. Et pour ça, on doit aller dans Nécropolis et après taper l'Ionix. J'espère qu'on va réussir. Déjà, je pense qu'on passe Mister Top. Hein. Là, j'ai monté un peu en niveau. Bon, il y a Hulk que j'ai pas pu trop monter non plus. C'est un peu plus long, mais je pense que niveau défensif, ça va. Donc, on ne devrait pas être en grande difficulté. D'ailleurs, je vais juste changer les tactiques. Je vais le mettre en... Ah bah, c'est bon, il est mis en support. Ok. Du coup, c'est toi qu'on doit affronter, j'imagine. Allez, affrontons-le. Let's go. Et je pense qu'on fera pas plus de choses. On va déjà faire ça. Allez, Mister Top. Je vais faire fight. On va voir s'ils sont forts tout seul ou pas. Déjà, on fait des bons dégâts. Et il fait des bons dégâts aussi. Et l'attention. Bon, une petite méga protection qui va faire du bien. Ah, il a une petite tension naturelle aussi qui monte des fois. Ça, c'est cool. Ok. On lui fait quand même de bons dégâts. Hein. Il a baissé notre défense ou... Je sais pas.
Ouais, tu peux te calmer aussi, t'as le droit, hein, de te calmer. On peut balancer des petits items. Je vais lancer un petit Strong Arm quand même. Parce qu'il s'en prend un peu trop à Riptide, j'ai l'impression. Alors que. Bah voilà. Ok. Ok. Ce fut rapide. Bon. Y a une deuxième manche ou c'est tout? Parce que là, c'était pas très compliqué en fait. Puis j'ai pas beaucoup farmé. À savoir, enfin, oui, à savoir, hein, pour rappel surtout, comme je ne fais pas de synthèse, mes monstres seront limités au niveau 50. Donc, bah, il reste 20 niveaux pour Hulk, mais les autres, il reste une petite quinzaine de niveaux, donc même pas. Donc, j'espère que ça ira. Ah, c'est lui qu'on affronte déjà. C'est vrai. Il a quoi comme monstre, lui? Ah oui, il a le Kanzer. Ah, toujours embêté. Bon, allez, c'est parti, on va faire fight. Sympa. Sympa aussi. Pas ce qu'il a fait. Et moi et l'anglais, hein, ça fait deux. Eh bah Hulk, j'aime bien lui. Ah, oh, c'est trop bien. On va renvoyer son souffle. Mais c'est trop bien. Ah bah voilà, on est à la cible, hein, ça y est. Ah oui. D'accord, ok. Tu as tué Riptide. Bon. Écoutez, on va mettre lui, parce que lui, il peut soigner. Ouais, du coup, on n'a pas de soigneur. Là, je l'ai mis dans l'équipe secondaire, mais bon. Riptide est mort, mais c'est pas grave. On a lui qui fait des bons dégâts. Il attaque plusieurs fois lui. Ouais, tu peux être tranquille s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on. Un petit attaque boost. On va faire un petit attaque boost. De toute façon, je pense que il va faire un multi-soin le Condor. Voilà. Nickel. Enfin, nickel. On prend des dégâts, mais nickel quand même. Oula. Ah oui, d'accord. Tu prends tout et. Ah oui, d'accord. Ouais. Un peu risqué quand même. On va lui en remettre ça. Ah. Mes monstres ils bougent plus là, hein. Ils sont figés, les pauvres. Voilà. Pour l'instant ça va, mais bon ça fait quand même mal, mais ça va. Surtout ces multiples attaques là qui sont chiantes. On va continuer comme ça. Aïe, ouais. Voilà, la petite pluie. Aïe. Aïe. Ah non, pas là. Eh ben oui, mais tu peux pas.
Ganzer, c'est un bon monstre hein, quand même. C'est vrai qu'il est pas mal défensif, lui. Aïe. Il est toujours pas mort. Hein. Il va se soigner normalement. Ouais, il va faire un multi-soin. Ce serait bien que tu meurs et voilà, il est mort. Oui. Bon, c'était pas évident. Pauvre Tide, il a pas assumé, hein. Il n'a pas le port. Pauvre, il en a pris plein la tronche. Mais bon, ça va. Heureusement qu'on a encore le faucon d'or. Et l'armure qui, elle, fait bien mal aussi. Donc, on a le niveau pour la nécropolis. J'imagine. Je pense, ouais. Est-ce qu'on a le niveau pour Villionix? Bonne question. Je dois aller par où? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, on va parler un peu à tout le monde. On va parler au Shinitok. Au Shinitok. Enfin, c'est pas Shinitok, mais bon. Désolé, hein, je rigole en disant ça, évidemment. Non. Bah, je sais pas. Je peux pas me téléporter, c'est vrai. Où es-tu? Toi qui as la réponse à tout. Attendez, on va se téléporter à... au vaisseau. Peut-être qu'il faut pas aller à tout le monde, je sais pas, je sais plus. On retourne à Archéopolis, peut-être. On va remettre Riptide. Tu dis rien, toi? Non, t'es toujours à moitié mort. Ah ouais, à mon avis, faut retourner à... Archéopolis. Bah écoutez, on va retourner à Archéopolis. Je le sens en accéléré. Logiquement, c'est là. Non. Ils m'ont vu. Ouais, j'aurais dû mettre l'invisibilité, mais bon. Écoutez. Et on va au moins débloquer la zone de Nécropolis. Oh, il est abusant. Bon, contre ces monstres-là, ça va, c'est easy. Hein. C'est vraiment contre... bah, Kanzer, on a pris un peu cher. Ah, voilà. Il fallait retrouver le vieux ici. Ouais. Ok, tu me montres la peinture. Enfin, la peinture, la sculpture, le truc. Ok. Ça va ouvrir la porte de Nécropolis. Nécropolis qui est une zone cool. J'aime beaucoup la zone. Est-ce qu'on l'explore aujourd'hui? Bon, on peut l'explorer la prochaine fois. Ce sera un épisode plus court du coup aujourd'hui. Mais j'ai envie de faire un épisode plus court en fait. Hein. Pas un épisode trop long. J'avais récupéré le coffre. Il me semble qu'il y avait un coffre. Ah, j'avais pas récupéré. Ok, ticket de métal, bah tant mieux. Alors là-dedans. Ah. Nous voilà dans Nécropolis. Alors le TP est loin. Mais genre vraiment, vraiment loin le TP. Du coup. Avancer ici, c'est chiant. Avancer ici, c'est chiant. Bon, je peux aller récupérer limite. Ah ouais mais non. Ouais mais non. Calmez-vous hein, sur ma petite personne, s'il vous plaît. Voilà. Alors il y a des gluants de mercure ici. Ça je m'en souviens. Ouh, j'attendais un gros bruit. Quel est ce bruit? Ah mais non mais lâchez-moi. Bien remettre. Hop.
Allez, on va juste clean la petite salle ici, mais on va pas tout faire non plus. Je les connais pas, eux. Ils ont l'air cool. Ah, c'est eux qui font du bruit comme ça. Je pensais qu'il y avait un géant ou quoi. Ah, eux, ils ont l'air cool. Hein. On va essayer de les dresser, vite fait. Ça a l'air cool. Greenkeeper. J'accélère un peu. Hein. L'animation, elle est assez longue. Ah ouais. Ah ouais. Oh là, oui. Ah oui, là, oui, là, oui. Ah oui, oh, oui. 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 Ah. Ah. Oui, mais non, mais en fait, oui. D'accord. Non, mais... Oui, bon, oui. Non, mais oui. D'accord, non, mais reste... voilà, restez un peu où vous êtes. Je... Voilà, je... Hein? C'est compris, hein? Ah là là, c'est vrai que cette zone de l'enfer. Alors, de l'autre côté, il y a un coffre, il me semble. À récupérer. Et ouais, le TP est quand même très très loin. Du coup, on va pas le faire aujourd'hui. Non, 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 on va pas le faire aujourd'hui. Juste récupérer les derniers petits coffres peut-être ici. Oh, c'est vrai que c'est assez grand. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Pim, pim. Hop. On évite les monstres. De toute façon, je pense... Vous me le direz dans les confirmés... Vous me le direz dans les confirmés, oui, bien sûr. Vous me le direz dans les commentaires, mais... Je pense que je vais devoir... Alors, le gant de mercure, je suis désolé, mais je te skip. Hein. Vous me le confirmerez, mais... Je pense qu'il faudra que je farme. Pour cette zone-là, parce que Nécropolis, je pense qu'il y aura des monstres de rang S, c'est sûr. Et des monstres de rang A. Donc, je risque de... Prendre un peu cher. Là, je suis perdu. Non, c'est bon. Par là. Faut aller par là. Cette zone. La musique, what the fuck, hein, évidemment. À chaque fois qu'on change, je suis obligé de le remettre. Allez, on fait juste ça et on va se laisser là. Hein. On va pas explorer plus que ça. La prochaine fois, on se trouvera ici, je pense. Directement. Et on va y aller avec notre équipe. Actuel. Et là-bas... Ouais, là-bas, c'est la suite. Quoique, je vais juste... Allez, je peux voir juste s'il y a le TP. Mais le TP, je crois qu'il est vraiment plus loin. Beaucoup plus loin. Et qu'il y a tout un truc à faire. J'aimerais bien avoir le TP, mais... De mémoire, il est... pas tout près. Ces monstres-là, dites-moi dans les commentaires si vous savez de quel rang ils sont. Je suppose qu'ils sont rang minimum B. B ou A. Pas S. Mais B ou A, je dirais. Alors, le télé... Enfin, le TP. Non, pas le TP, c'est le... Le petit téléporteur. Oh... Oh, il y a eux. Oh, eux, ils sont bien, eux, comme monstres. On va essayer d'en dresser un. Ouh. Ça va être chiant de dresser ça. Enfin, avec l'attention, non. De l'armure, je peux monter l'attention de l'armure, c'est vrai. Ok. Allez, on va retenter comme ça, j'ai la flemme de faire l'attention. Il veut pas être mon ami. Allez, sois mon ami, s'il te plaît.
En plus, ils font mal, hein. C'est des bons mages, mais... Je vais me faire défoncer après. Allez. Il y a moyen. 13%, il y a moyen. Ouh là 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 là. Ok, ok, je me barre. Je ferai ça en off, je ferai ça en off, je ferai ça en off. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Je ferai ça en off, hein, parce que là, ils sont un peu vénères. Un petit peu vénères. Mais un petit peu. Quoique, allez. Je fais ça en accéléré, je vous skip le truc, hein, mais... Il y a eux aussi. Eux, ils sont rambés, les mondes vampires gluants. De mémoire. Hop, on va faire ça. Et j'ai monté la tension. Ouh, ya 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 ya. Allez, tension 100. T'as intérêt à être mon ami, hein. Oh, 39. 43, allez, 43. Et il y a large moyen, hein, 43. Tu te fous de moi? Tu te fous de moi, mon petit pote, là? Oui. Bah oui, bah. Salut. Je retenterai en off. Avec la deuxième armure, comme ça, j'aurai deux tensions 100 et ce sera beaucoup mieux. Bien. Bah écoutez. Ici, après. Ouais, il y a la grande zone. On la découvrira la prochaine fois, je pense. La grande zone. Oui, 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 bah oui, mais non. On la découvrira la prochaine fois. On fera Nécropolis, hein, la prochaine fois, du coup. Et voilà, on retourne au vaisseau. Ouais. Je vais peut-être essayer quand même. Je vais retourner ici, je vais pas aller plus loin. Je vais juste retourner là. Peut-être essayer de dresser le petit le monstre qui volait là. Je sais plus comment il s'appelle. Et le mage, parce que le mage, c'est très très bien. Si vous pouvez avoir une compétence de soin, ça pourrait être vraiment cool. Mais il en a pas. Lui, c'est juste un gros bourrin en mage. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, parce que là, j'ai un gros défensif, on va dire. Un bon attaquant, et lui, un très bon attaquant. Lui, ouais, il fait un peu de dégâts, mais il a la compétence de soin, c'est ça qui est bien. Donc, je cherche un monstre qui a full recovery, mais en avec de meilleurs dégâts. Et de meilleurs MP aussi. Donc, bon, pas évident. On va remettre Riptide. Riptide aussi, il a un bon... Lui, un peu les deux. Une bonne attaque, bonne défense, mais voilà, il me faudrait un autre petit mage. Ça pourrait être cool. Le mettre à la place de lui, par exemple. Pour l'instant, j'ai mis lui, mais c'est vrai que... Mettre à la place, ça serait cool. Bref, on verra ça. Je vais essayer de dresser en off et puis on verra la prochaine fois. Ça risque de changer à mon équipe du coup. Enfin, mon équipe, il y aura juste lui, hein, parce que je vais mettre le mage à la place si j'arrive à l'avoir. Mais normalement, il devrait y avoir moyen, quoi. Il devrait y avoir moyen de faire plus que 50%. Bref, on cesse là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Petit épisode, on n'aura pas fait grand-chose. On aura juste découvert Archaeopolis, récupéré l'invisibilité et on aura... défoncer Mr. Top et le Kanzer, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, allez, on s'installe, j'espère que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, et puis bon, nous on se retrouve lundi pour la suite. Allez, bye tout le monde.